Salut tout le monde, c'est Corleone. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de Assassin's Creed Origins. Donc là, vous voyez, il y a du pimpage dans l'air. Regardez ça, regardez ça, regardez la caméra. C'est high-tech. C'est super high-tech parce que j'ai investi dans un fond vert. C'était mon cadeau de Noël. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Aya doit rester caché jusqu'à la mort de Grenadios. Ah ouais, mais je vais peut-être pas le tuer tout de suite, non? Niveau 20, niveau 15, niveau 11, niveau 10, niveau 20. On va faire ça. Alors, attends, il est où mon repère? Malachere. Quel repère d'Obé? Attends, parce que c'est mal foutu leur truc. Oh, ouais. Je suis blessé passer. Putain, il est où mon truc? Ah, c'est là. On va y aller en courant. Comme ça, vous pouvez regarder un peu. Comme c'est fantastique. C'est bien animé. Bon, après, c'est un peu la nuit. Hein. Regardez comme c'est bien foutu. J'ai plein de trucs à vendre d'ailleurs, faudrait pas que j'hésite à m'en débarrasser. Voilà, hop, merde. Je me tape un peu l'incruste, hein. Je fais 40 mètres, 170. Alors là, c'est ici la quête. Si peu d'Égyptiens viennent au temple, où sont mes sénis? Hop, putain. Y a personne pour me donner une quête. C'est quoi ce truc de crevard? Grand Sarapis. Es-tu aussi Clément qu'Amon? Ah, c'est une divinité. Grec, apparemment. Bienvenue, frère. Yo. Merci, prêtre. Cela fait plaisir de voir revenir des Égyptiens. Depuis que mon tambour est en prison, c'est calme. Ce silence est impressionnant. Un tanneur a accusé mon tambour. Il lui reproche d'avoir volé une peau de lion nubien dans les cuves de teinture. Le pauvre avait pourtant travaillé pour lui. Une tragédie. C'est un honnête homme. Laisse-moi me charger de ça, prêtre. Cette voix qui résonne dans le casque, c'est mort de rire. Donc, Medjay, mon tambour est à l'arsenal de Kibotos, près de la Bible. Alors, c'est où je dois aller? C'est quoi ça? Toi aussi, prêtre. Attendez, on va mettre la quête directe. Sarapis, voilà. Puis sur la carte, c'est là. Let's go! Bon, bien entendu, depuis la dernière fois, j'ai déjà oublié comment on se bat. Je sais pas si j'ai meilleur temps d'y aller à monture. Eh, il essaie pas. Oh putain. Sinon il va se suicider. Non, descend, 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 descend. Descend. Voilà. Et puis là, je me demande où tu t'accroches où, là. Excusez-moi, madame. Je suis un peu pressé. On va faire cette quête, puis je pense que c'est tout ce qu'on va faire. Oui. J'ai pas besoin d'être scred. Yo.
150 mètres. C'est nous, qu'est-ce qui se passe? Non, t'écrases pas. Est-ce qu'il y a des gardes ici ou il n'y a rien du tout? Non. Ça veut dire qu'on s'en bat les couilles. Hop. Je suis très discret, hein, je sais. C'est mon style, la discrétion. Hop, on va passer par là. Plutôt comme ça. Et voilà. Parce que le machin... Ah, il est là-bas. Attendez. Zone interdite. Ah, d'accord. Alors, on va rappeler c'est nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 40, 1000, 850 000, 647 000, 890 000, 1 milliard 637, 8 millions 432. Voilà. Fuck it. Moi je pensais que ça allait être une balade de santé, je me suis gouré de bâtiment. Descends, lâche. Voilà. Alors. Non, il est interdit de venir ici. T'as les couilles, moi je veux. Coco. Viens, je veux mettre ton cadavre ici. Jette-moi cette caque. Merci. Tiens, regarde. Tel l'assassin. Je suis. Comment je suis où? Je suis dans cette tour normalement. Non, absolument pas. Moi je suis là. Est-ce qu'il y a des potes? Ok. Je suis Raoul et je suis un teubé. Hop, ta gueule. Piégé. On bat les steaks, moi, du piégeage. Ok, donc là vous voyez qu'on a un petit peu nettoyé l'histoire. Donc moi je vais retourner là-haut. Voilà. Et on va se la faire différemment. Regardez ça. Taisez-vous. Alors lui, on va lui poutrer sa mère aériennement. Regardez. C'est pas du poutrage aérien ça. Non non. Voilà, poutrage aérien. T'aurais pas dû venir ici. Tiens, sale baltringue. Ni vous ni quoi nous. Le maître de la discrétion. Ben, il est où l'autre enculé là qui était là avant? Ok, alors maintenant que j'ai fait le Yamakaki, regardez, on fait le Yamakaki à l'envers. Hop là. On fait le Yamakaki des Alpes. Hop. Et voilà. Mm-hmm.
Attendez, parce que je vais pas me faire choper. Oh putain, le con. Ça, c'est du Yamakaki. Oh shit. Attendez, Yamakaki aérien. Ici. Regarde, on va le Yamakiki. Hop. Regardez ça. Ah non, c'est pas une bonne idée, on peut pas Yamakiki comme on voulait. C'est-à-dire, hey, attends, on peut pas faire double assassinat. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oh oh. Monte, 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 merci. Voilà. Regarde. Là, on pourra faire du Yamakaki. Ah non. Attendez. Je galère un peu parce que je sais pas qui éliminer alors. Qui veut pas faire des bêtises. Ah putain. Ah ouais, toi t'es revenu comme ça. Hop, alors attendez. Le bal, il m'a pas vu le con. Ah, voilà. Oui, tu n'as rien vu. Hop, un autre cadavre. Another one bites the dust. Généralement, ils sont trop cons. Ah le teubé. Voilà. Ici c'est ma pile de cadavres. Merde. Alors le truc c'est que, est-ce qu'ils vont faire les teubés ou pas? Ah ah ah. Ouh fuck it. Ça a failli partir en couille. Alors moi j'aimerais bien que tu montes l'échelle là, ça sera assez cool. Non, tu veux pas? Oh, bah oui, y a des gens qui meurent, ça arrive. Ici. Tu ne vois rien toi là en bas. Occupe-toi de tes affaires. Ok. Ah. Regardez, ça, ça va être intéressant pour se le faire comme ça. Hop. Voilà, c'est bon, on est rentré. Alors moi je vous avouerai que je suis plus dans une optique d'élimination totale. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt cool. Hop, regardez. Voilà.
Est-ce qu'il reste des teubés? Ah ouais, il en reste juste un là. Look. Voilà, on va mettre mon cadavre ici. Alors, qui est-ce qui... Ah ouais, donc vous restez... ouais, je vois. Oh putain. Ah, ils ont vu, mais ils s'en battent les couilles. Battez-vous en les couilles. Hop. On m'appelle le nettoyeur. Parce que je rentre dans une pièce, je tue tout le monde et je nettoie. Là, voilà. Ok, donc moi je peux aller récupérer mon truc tranquillement. À moins qu'il y ait quelqu'un encore qui traîne dans le secteur, ce qui m'étonnerait très franchement. Mais toi, oui, 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 j'arrive. Tu as l'air d'un homme qui s'est soulevé des poids comme... Oui. Oui, comme moi. Et mon pied est blessé. Je suis ici à la demande du prêtre, Tambour. Alors, sors-moi d'ici, Mechai. Je vais buter le grand d'abord. Comment ils sont rentrés dans ce bâtiment? On peut rentrer là? Non. Alors, comment ils sont rentrés ici? C'est une bonne question, hein. Bon, je crois qu'on va s'en battre les couilles. Viens ici. Je te trouve bien joyeux. Pour un homme qui ne peut plus marcher. Tu veux rire? C'est le plus beau jour de ma vie. Mon pied va coûter cher à ce tanneur. Ta santé vaut sûrement plus que... Alors, juste faire un petit tour, là. Y a pas de garde. Si je ne pouvais rien prouver, tu aurais raison. Mais c'est là que tu interviens, mon ami. Tu dois l'amener où, cet enfoiré? Que puis-je faire, d'après toi? Trouver les crétins qui l'ont volé. Rapporter cette peau et laver mon honneur. Qui l'a volé, cette peau de lion? J'ai quitté des yeux cette peau de lion un instant, et un voleur s'en est emparé et a filé. Je l'ai perdu dans la foule. Ben bravo. C'est arrivé dans le quartier égyptien. Naturellement, les gardes m'ont accusé. C'est dur d'être égyptien à Alexandrie. Je vais aller les trouver. Et puis tu peux marcher maintenant. Va chercher cette peau. Foiré. Ça va aller. Il suffit que je repose ma jambe. Morias paraskevas ma da dudanesti. Lax. Si è l'avni crio chi neste! Bon bah ça, je pense que ça va prendre encore du temps, donc on fera ça la prochaine fois. Je vais quand même essayer de m'en rapprocher le plus possible. Je pense qu'il faut aller par ici. Voilà. Nous on va s'arrêter là.
Écoutez, moi j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement des vidéos. Et puis, si vous voulez la suite des aventures, en fait, Assassin's Creed, c'est les vendredis. Wolfenstein 2, c'est les mercredis. Et puis, Call of Duty, c'est les lundis. Et puis, généralement, le dimanche, c'est streaming. Et puis, il y a juste le samedi ou le dimanche, il y a le Evil Within 2. Voilà, vous savez tout. Donc, moi, je suis en stream, j'ai pas vraiment d'horaire fixe. Mais vu que là, je suis en vacances, j'ai un peu plus de temps. Donc si vous voulez me voir si vous voulez voir streamer, regardez la chaîne, suivez un peu les trucs et puis vous serez au courant. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut.